On dirait que mes cheveux sont blonds avec le soleil. Bonjour! On attend de voir si des gens vont se brancher pour nous confirmer si la connexion est bonne parce que là, on est chez maman. On est venu faire le direct chez maman. Claudia, merci de me dire si tu nous entends bien, Claudia. On dirait que ça roule bien. Père Jean-Luc, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Père Jean-Luc, il dit, il arrive. Nous, on vient juste de se connecter. Merci de nous confirmer que la connexion est bonne parce qu'on est chez maman. Okay, je On pense qu'on fait un petit peut. test de son, on va commencer le chant. Ah, mais là, faut mettre un capot. Non. Non? Oui, je suis certaine. Alors, on va faire. La connexion est bonne et le son est excellent. Ben, tant mieux. Alors, merci d'être là avec nous. Ce soir, on propose le début de la neuvaine à Mais là, on Sainte-Philomène. va refaire une autre vidéo. Non, on est démarré là. Je vais aller jeter ma gomme d'abord. Père Jean-Luc, il dit bonjour à maman chérie. Ah, bonjour, dis-lui que je l'embrasse. Ben, vous avez sûrement compris, Père Jean-Luc, hein? Maman vous embrasse, puis elle vous dit bonjour. Donc, ce soir, on commence une neuvaine à Sainte-Philomène. C'est notre sœur Diane au Saguenay qui nous fait une intention de prière pour ses deux sœurs. Une qui s'appelle Janine et l'autre qui s'appelle Pâquerette. Alors, on commence la neuvaine à Sainte-Philomène pour les deux sœurs de Diane en union de prière parce que toutes ces personnes vont faire la neuvaine en même temps que nous. Et on vous invite aussi, vous tous, à faire la neuvaine en même temps. On demande à la divine volonté d'agir dans leur vie. Le Seigneur connaît qu'est-ce qu'il y a de mieux pour chaque personne. Et puis, par l'intercession de Sainte Philomène, alors c'est pour ça qu'on l'a pris, qu'on commence aujourd'hui, on va prier aussi pour l'abbé Paul Maricani de Chicoutimi, parce que s'il se rétablit de son hernie discale, c'est ça, il a mal au dos beaucoup, ben, il va venir célébrer avec nous dans la cathédrale de la nature pour bénir les lieux. Fait qu'on prie pour l'abbé Paul Maricani aussi par l'intercession de Sainte Philomène et de la Vierge Marie. On commence avec la chanson? On commence avec la chanson. J'espère qu'on va l'avoir. J'espère aussi. Non, on n'a pas fait de test. On a commencé. Il dit, je bénis déjà toute la neuvaine et je demande pour nous tous la divine protection de Saint-Michel-Archange. Oh, merci, Père Jean-Luc, de penser à tout. Merci, merci, merci infiniment. Amen. Amen. Pour affronter la rage d'un empereur dément qui voulait une vierge pour être son amant. Il fallait du courage quand on n'a que 13 ans. Et pour être enfermé au fond d'une prison dans le sans aucune raison, il fallait cette audace de l'âge adolescent, fille de la lumière, fiancée de Jésus. Fille de la lumière.
Veux-tu me donner, Marie-Belle, les deux feuilles par terre, là, s'il te plaît? Ça? Oui. Tu vas lire? Oui, j'ai le goût de lire ça. Parfait. Ah! Moi, j'avais dit. À la fin. Donc, on va commencer. Merci de me le répéter. On va... Est-ce que tu veux qu'on commence par la couronne? Ou c'est par la, couronne, neuvaine? La neuvaine? Choisis. La neuvaine. On va commencer par la neuvaine. Est-ce que c'est toi qui la lis? Oui. OK. Alors, jour 1 de la neuvaine, et j'aimerais préciser qu'en allant faire mes commissions aujourd'hui, j'ai réalisé que le jour 9 tombait en plein le samedi 19 septembre. Hey! Fait que le jour 9, c'est la 9e journée de la neuvaine, puis ça donnerait exactement la journée qu'on veut faire l'inauguration du sanctuaire, que le Père Jean-Luc a appelé la cathédrale de la nature élevée, pour la sanctification des âmes par l'intercession de Sainte Philomène. Ça a fait beaucoup d'écho dans mon cœur, Père Jean-Luc, ce nom-là. Alors, c'est devenu le nom officiel, cathédrale de la nature. Regarde. Fait que ça, c'est la partie commune pour chaque jour. Puis là, on va faire le premier jour. Regarde. Aujourd'hui. C'est mes trois saints, maman. Sainte Philomène, Pauline Jaricot, puis Saint-Curé d'Ars. Oui, Pauline Jaricot, bienheureuse. Ouais. Et le Saint-Curé d'Ars, c'est sûr, c'est un trio, c'est une équipe, eux autres, avec la Vierge Marie, bien sûr. Vas-y. OK. Bon, la partie commune pour chaque jour. On peut faire notre signe de croix. Oui. Au nom du Père qui m'a créé, au nom du Fils qui m'a sauvé, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie et me donne la vie. Amen. Partie commune pour chaque jour. Daigne prier pour moi pendant cette neuvaine faite en ton honneur.
Tu sais ce que j'espère de ton intercession. Donc, on prie pour Pâquerette et Janine. Et l'abbé Paul Maricani. L'abbé Paul Maricani. Puis on pourrait prier pour le 19, c'est ça, le sanctuaire? Oui. Puis aussi, dans la divine volonté, on met la terre entière. Ouais. On met la terre entière dans la divine volonté, que le règne de Dieu vienne et que sa divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis on fait la neuvaine dans la divine volonté. Oh que oui! Ça va être une neuvaine d'éternité, un acte divin. Amen! Sainte Philomène, en qui le Saint Rédars mettait toute sa confiance, moi aussi j'ai confiance en toi. Sainte Philomène, Vierge et Martyre, prie pour nous. Donc, notre Père, je te salue Marie et gloire soit au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Par la pensée, ô Sainte Philomène, je descends en cette catacombe romaine où tes restes sacrés sont demeurés ensevelis pendant des siècles. Je vénère ces reliques d'une Vierge martyre des premiers temps de l'Église, puis je lis sur les trois briques qui fermaient ton tombeau cette suave inscription. Lumina Pax Tecum Philomena. La paix soit avec toi, fille de lumière. Sainte Philomène, ton nom signifie « bien-aimée ». Oui, en vérité, tes précoces vertus, ta pureté virginale, ton courage dans les épreuves. J'ai comme perdu avec le soleil, non? Ton courage dans le sacrifice, ton valu d'être ici bas avant même de l'être au ciel, une de ces hommes que Jésus aima particulièrement. Et à présent, après ton immolation sanglante, tu reposes dans la paix, dans l'éternelle paix. Est-ce que je lis cette petite prière en bas? Oui. Parce que la nuance, j'en arrête là. Oui, moi aussi. Ô Sainte Philomène, obtiens-moi de fuir le péché, de rester dans la grâce de Dieu et de posséder ainsi toujours la paix de la bonne conscience, afin que moi-même j'aie une place privilégiée dans le cœur de mon Dieu. Amen. Amen. Là, on a la petite couronne. Maman, j'en ai pas pour toi. Alors, sur la médaille... C'est une couronne spéciale pour Sainte Philomène. Hein? Il y a trois perles blanches. C'est le chapelet de Sainte Philomène. Oui, on appelle ça la couronne de Sainte Philomène. Et puis, c'est ça, Marie-Belle, elle va nous dire. Mais là, premièrement, sur la médaille, c'est le « Je crois en Dieu ». Puis, vous avez remarqué, peut-être, il y a trois perles blanches et 13 perles rouges. Et trois perles blanches, c'est pour... Les trois perles blanches, c'est en l'honneur de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Remerciement des grâces obtenues à travers nos intercessions. Et les rouges, c'est en l'honneur des 13 années passées sur la terre par Sainte Philomène.
Fait que on y va avec le je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vais prendre ici. Oui. OK. Donc là, c'est les trois gloires soient au Père en blanc. Oui. Le premier pour le Père, le deuxième pour le Fils et le troisième pour l'Esprit Saint. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Pour le Fils. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ça sera pas long. Oh! Oh! Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Et pour l'Esprit Saint. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Et sur chacun des grains rouges. Salut, ô Sainte Philomène, que je reconnais après Marie comme mon avocate devant le divin conjoint, intercédez pour moi aujourd'hui et à l'heure de ma mort. Sainte Philomène, fille chérie de Jésus et Marie, priez pour moi qui ai recours à vous. Salut, ô Sainte Philomène, que je reconnais après Marie comme mon avocate devant le divin conjoint. Intercédez pour moi aujourd'hui et à l'heure de ma mort. Sainte Philomène, fille chérie de Jésus et Marie, priez pour moi qui ai recours à vous. Le troisième. Salut, ô Sainte Philomène, que je reconnais après Marie comme mon avocate devant le divin conjoint. Intercédez pour moi aujourd'hui et à l'heure de ma mort. Sainte Philomène, fille chérie de Jésus et Marie, priez pour moi qui ai recours à vous. Salut, ô Sainte Philomène, que je reconnais après Marie comme mon avocate devant le divin conjoint. Intercédez pour moi aujourd'hui et à l'heure de ma mort. Sainte Philomène, fille chérie de Jésus et Marie, priez pour moi qui ai recours à vous. Salut, ô Sainte Philomène, que je reconnais après Marie comme mon avocate devant le divin conjoint. Intercédez pour moi aujourd'hui et à l'heure de ma mort. Sainte Philomène, fille chérie de Jésus et Marie, priez pour moi qui ai recours à vous. Salut, ô Sainte Philomène, que je reconnais après Marie comme mon avocate devant le divin conjoint. Intercédez pour moi aujourd'hui et à l'heure de ma mort. Sainte Philomène, fille chérie de Jésus et Marie, priez pour moi qui ai recours à vous. Salut, ô Sainte Philomène, que je reconnais après Marie comme mon avocate devant le divin conjoint. Intercédez pour moi aujourd'hui et à l'heure de ma mort. Sainte Philomène, fille chérie de Jésus et Marie, priez pour moi qui ai recours à vous. Salut, ô Sainte Philomène, que je reconnais après Marie comme mon avocate devant le divin conjoint. Intercédez pour moi aujourd'hui et à l'heure de ma mort. Sainte Philomène, fille chérie de Jésus et Marie, priez pour moi qui ai recours à vous. Salut, ô Sainte Philomène, que je reconnais après Marie comme mon avocate devant le divin conjoint. Intercédez pour moi aujourd'hui et à l'heure de ma mort. Sainte Philomène, fille chérie de Jésus et Marie,
Priez pour moi qui ai recours à vous. Salut, ô Sainte Philomène, que je reconnais après Marie comme mon avocate devant le divin conjoint. Intercédez pour moi aujourd'hui et à l'heure de ma mort. Sainte Philomène, fille chérie de Jésus et Marie, priez pour moi qui ai recours à vous. Salut, ô Sainte Philomène, que je reconnais après Marie comme mon avocate devant le divin conjoint. Intercédez pour moi aujourd'hui et à l'heure de ma mort. Sainte Philomène, fille chérie de Jésus et Marie, priez pour moi qui ai recours à vous. Salut, ô Sainte Philomène, que je reconnais après Marie comme mon avocate devant le divin conjoint. Intercédez pour moi aujourd'hui et à l'heure de ma mort. Sainte Philomène, fille chérie de Jésus et Marie, priez pour moi qui ai recours à vous. Salut, ô Sainte Philomène, que je reconnais après Marie comme mon avocate devant le divin conjoint. Intercédez pour moi aujourd'hui et à l'heure de ma mort. Sainte Philomène, fille chérie de Jésus et Marie, priez pour moi qui ai recours à vous. Amen. Oups. Ouais, il te reste la prière ici. Oui, je sais. Okay. Mais je t'amène pour les prêtres. OK. En conclusion. Donc, je vous salue, ô innocente Philomène, qui, par l'amour de Jésus, avait conservé dans tout son éclat le lys de la virginité. Je vous salue, ô illustre Philomène, qui avait répandu si courageusement votre sang pour Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour toutes les grâces qu'il vous a accordées pendant votre vie, et tout spécialement à l'heure de votre mort. Je le loue et le glorifie pour l'honneur et la puissance avec lesquels il vous a couronné, et je vous supplie d'obtenir pour moi auprès de Dieu les grâces que je demande par votre intercession. Sainte Philomène, fille bien-aimée de Jésus et de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Tu veux-tu me donner ma feuille de tantôt? Oui, on finit par ça? Oui. Ou encore, tu voulais le goût de finir par un autre chant? Je vous salue, Marie. Oui, ça serait bon. Oui, OK. Moi, j'avais le goût de vous partager quelque chose de beau que j'ai trouvé aujourd'hui. Tu sais, quand on fait de l'intercession par la communion des saints. Ah! Voyons, Marie. Ça fait beaucoup de bruit. c'est la Vierge Marie à Medjugorje qui a dit ça à Vika, une des voyantes, concernant la souffrance. Lorsque vous avez un problème, une souffrance, une maladie, ne dites pas « Oh, pourquoi c'est tombé sur moi et pas sur quelqu'un d'autre? » Non, chers enfants, dites plutôt « Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. » Car la souffrance, lorsqu'elle est offerte, dans la divine volonté, j'ajouterais. Mais je ne peux pas modifier les paroles de la Vierge Marie, elle va le dire plus loin. Elle est source de grande grâce pour vous et pour les autres. Lorsque vous êtes malade, beaucoup d'entre vous ne prient que pour répéter « Guéris-moi, guéris-moi ». Non, chers enfants, cela n'est pas bien, car ainsi vos cœurs ne sont pas ouverts à Dieu. Vous refermez vos cœurs sur votre maladie et vous n'êtes ouvert ni à la volonté de Dieu, ni aux grâces qu'il veut vous donner. Priez plutôt ainsi. Seigneur, que ta volonté soit faite en moi. Alors seulement Dieu pourra vous communiquer ses grâces, selon vos vrais besoins qu'il connaît mieux que vous. Cela peut être la grâce de la guérison, la grâce d'une force nouvelle, de la lumière, de la joie. Il vous suffit d'ouvrir vos cœurs à Dieu. J'étais le soleil! Oui, moi, tantôt, c'est moi qui l'avais. C'est le Seigneur qui vient confirmer. Donc, on... Ça, j'ai mis sur mon nez. Je voulais partager ça avec vous. Puis là, on va terminer par un chant à la Vierge Marie, justement. OK? Tu veux-tu me donner le livre, Marie-Belle? Là, il faut mettre notre... T'as-tu ton capot pour ton... Oui. On s'excuse pour les petits décalages, hein? C'est vraiment de l'improvisation. Oh, on n'avait même pas fait de parler. Mais c'est fait avec cœur. C'est
C'était à deux, hein? Oui. Je me tourne à cause des bras de la chaise. Dans la communion des saints. Je suis en train de découvrir la communion des saints, moi, depuis à peu près une semaine ou deux, là. C'est extraordinaire. Tous ensemble, fusionnés en Dieu. J'espère que je vais avoir encore les harmonies. On va demander à la Vierge Marie de chanter à notre place et Sainte Philomène. Hein, on change de place avec eux autres. Okay. Ouais, c'est vrai, c'est ouais, vrai. Ouais, l'ange oui, à mon mari, oui. Voilà. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue. Fiat voluntas tua. Union de prière, tout le monde.